Mais on voit bien qu'il y a une transition qui est possible et qu'on veut, qu'on espère. En tout cas, en Moselle, nous, on est contents qu'il y ait une suite verte. Et on arrête le charbon, on arrête quasiment 2 siècles, mais on est en train de recréer un nouvel avenir. Ça, c'est quand même tout. Sur le site de la centrale Émile-Huchet, demain, on va produire de la chaleur verte à partir de biomasse et de l'hydrogène vert à partir d'électrolyse de l'eau. Et concrètement, quand l'ensemble des projets seront développés, ça nous permettra de recréer plus d'emplois avec les nouvelles industries vertes que ce qu'on en a connu et de ce qui en a été détruit par la fermeture de la centrale charbon.